Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amis. Je vous retrouve pour ce cinquième épisode du Let's Play sur Spider-Man Miles Morales. Aujourd'hui, on continue l'histoire principale. On est quasiment à la fin. Il nous reste, je pense, deux épisodes. Et là, on est en train d'essayer de contrecarrer les plans de Tinkerer. Tu vois cette espèce d'énorme conteneur blindé? Qui veut utiliser l'uniforme à des fins pas très cool. J'ai un pressentiment. Il y a plusieurs câbles qui s'éloignent de ce conteneur. Je me demande si... Deux. Tu dois alimenter les autres. Alors, pourquoi tu penses que j'ai vraiment appris que je suis Spider-Man? Tu crois pas qu'elle va le prendre un peu mal? On va faire une liste pour ou contre. Pour, c'est ta meilleure amie. Enfin, après moi. Contre, c'est Tinkerer. Pour, lui parler sera plus facile que de magouiller des trucs dans son dos. Contre, l'autre Spider-Man a été super clair. Ne révèle ton identité à personne. Tu me l'as dit à moi. Peut-être que si elle sait que c'est contre toi qu'elle se bat, elle reviendra sur cette histoire de Tinkerer. T'as peut-être pas tort. Super. Une belle voie dégagée pour le générateur. Alors, et deux, trois, encore un. Attendez, là-bas. Impossible de les relier directement, mais je pourrais créer une jolie guirlande en me servant de ce relais. Alors, regardons. Alors, qu'est-ce que tu mijotes, Finn? Finn injecte de l'énergie dans l'uniforme. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est ce qui a fait sauter le pont. Et alors, elle veut quoi? Elle veut faire exploser l'opéra? Pas le James Theater. Roxxon Plaza. Waouh, quoi? C'est... Mais elle est malade! Elle a pas encore ouvert. Donc y'aurait pas de blessés. Mais je peux pas la laisser faire. J'embarque le Nuform. Je dois vaincre son armée de lucioles. Toujours des problèmes. Ça, je dis rien. Mais imagine que Finn ait raison et que ce soit le meilleur moyen de battre Roxxon. Finn pourrait casser quelques vitrines. Elle peut carrément détruire tout un immeuble de ma rue. Si son plan part en sucette, il y aura des blessés. Je ne peux pas la laisser prendre ce risque. T'as raison. Sortons ce Nuform d'ici. Bah dis, j'aime bien tout ce qui se passe. Je parle beaucoup moins sur ce let's play, non? Sommet, allez voir ce qui se passe.
y vais. Vas-y, dis, je peux te tuer, toi, je te hop. Voilà. Même Spider-Man peut rien contre ça. Effectivement. La bioélectricité marche. Génial. Continue. Donne l'uniforme. On peut passer à autre chose. Ah, c'est une tueur, si. Hop. Ouais, deux secondes. Mais t'es où, toi? Touche. Boum. L'uniforme maintenant. Ok. Doucement. Oh non! Je te laisserai pas prendre ça! Pourquoi toujours causer des problèmes? Je sais bien, mais... Je sais pas parler trop, encore. Je propose qu'on discute. Je te propose d'arrêter de me connaître. Il est même pas fatigué. N'arrête donc jamais. Dans la bouise. T'es où, là? J'en sais rien. J'évite des explosions. Il me faut une nouvelle stratégie. Je vais faire ce que tu m'as dit. Lui dire la vérité? Ouais, peut-être que je l'aurais rattrapé. Une horreur! Faut que je te dise un truc, ralenti! Tu me prends pour une débile? Non, mais c'est important! Je te promets! Dégage, Spider-Man!
bien compliqué là. Oh non, ça craint, ça craint. Ouais, léger. J'espère que le bateau n'a rien. Oh, si tu as le bateau, c'est pas grave. Toujours plus d'action. Donne-moi une bonne raison de pas t'achever. Ma mère t'en voudrait à mort. Miles ? On pourrait pas... Vous deux sur le toit, pas un geste ! Ça, on aurait pu se passer mieux. On a pété une côte. Ou peut-être trois. Peut-être toutes. Alors, ça s'est passé comment avec Finn ? Pas terrible. T'es toujours à l'appart ? Non, je suis chez moi. Mes parents rentrent la semaine prochaine. Je voulais ranger un peu. Mais je peux revenir ? Non, c'est pas grave. Je te rappelle plus tard. Je fais quoi, là ? Salut, oncle Aaron. Je voulais... J'aurais besoin d'un conseil. À quel sujet, exactement ? Bah, à peu près tout. T'as du temps ? Je peux me dépêcher de finir. Je t'appelle après. Super, merci. À tout à l'heure. J'ai aucune idée d'où sont Finn et le Nuform. Je vais m'occuper en attendant qu'oncle Aaron soit dispo. Voilà. Le fils nord est fermé. Non, mais c'est trop froid pour laisser les gens dehors comme ça. Allez, c'est parti, on va aller faire la petite mission en attendant. Chou. Ah, regardez, il y a des points de... on a des points de compétences, donc je vais aller voir ça. C'est bon, voilà. Ah. Allez, hop. On a 3 points. Ça. Ça. Alors, ça, les compétences de combat, on est très bien. Youhou. Alors, je vous avoue, je serais pas contraint par le temps et par. Tout le reste. Je ferai un peu plus d'annexes, mais vu que faut que je termine le jeu avant une certaine date quand même, pour vous tourner plein d'autres let's play, je m'attarde pas vraiment sur le secondaire et vous... Je suis vraiment... Je m'en excuse d'avance. Gandhi, je vais aller voir Gloria pour parler du Fist, en tant que moi. Salut Gloria, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde est dehors ? Un problème de fuite. On a tout nettoyé, mais la ville ne nous laissera pas rouvrir tant que ce sera pas réglé. J'ai fait venir 3 fois le plombier, mais ça revient sans arrêt. Tu peux envoyer du monde dans d'autres refuges Fist ? Tout est déjà plein. Ces gens-là, ils n'ont nulle part où aller. On essaie de garder les gens au chaud et de les nourrir, mais par ce temps... Est-ce que je peux faire quelque chose ? Ouais. Tu peux aller voir les gens installés dans le parc ? Ils sont pas toujours très chauds pour parler à la direction. Ok, ça marche. Et après ça, retourne en vacances. Tu travailles trop. Ok, ok. Hop, on va aller voir les gens. C'est quoi ton avis ?
parle de je dois comprendre ce qui s'est... Salut. Je vous aurais pas entendu parler d'un employé de la ville par hasard? Ouais. Il y a environ un mois, le refuge a installé un nouveau chauffe-eau. Un inspecteur est venu et il a dit que tout allait bien. Et regardez où on en est. Ouais. Bizarre qu'il ait rien vu. Je dois y aller. Prenez pas froid. Vous non plus. Va de Bangalore encore. Je devrais continuer à parler aux gens. Je peux peut-être arranger ça. Attendez, je vais vous aider. Merci. J'essaie de garder ça les au sec. Ou de la bouffe. J'avais peur qu'on se fasse dévaliser, mais il y a eu cette inondation. Tu la poses dans la neige, elle j'avais même acheté un couteau. Ça va absorber toute la flotte. Fait penser à ça. J'imagine même j'ai pas vu des types en train de rôder autour du centre. La toque les déplacés, mais ils sont revenus. Purulents. Et puis ils ont disparu juste avant que ça pète. Dites-moi si vous voyez autre chose. Faites attention avec ce couteau. Ça marche, merci. Rien. Plaisir d'aider. Il en reste un à aller voir. Je vais le faire. Merci. Je suis Steph, la copine de Gloria. Je suis bénévole au Fist. Enfin, il en reste. Ouais. Gloria dit que la ville refuse de rouvrir le centre. Ils sont étrangement bornés. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous fermer. Moins d'une heure après l'inondation, ils étaient là. Ouais. On va porter un petit chapeau en papier d'alu, hein, c'est ça? Non, c'est bizarre. En tout cas, un grand merci pour ton aide. Y'a pas de soucis, hein. Toujours un plaisir. Ok, c'est louche. Tu sais, hey, à la même période l'an dernier... Je bosse sur Speed Nonagon. T'as du nouveau? Y'a des types qui rôdaient autour du fort juste avant que ce soit inondé. La ville a tout de suite condamné le centre. C'est bizarre. Et un inspecteur a dit que tout était nickel juste avant que le tuyau lâche. Ce serait du sabotage? Carrément. Je dois aller mettre ma tenue. Passer du temps dans l'autre refuge. Bah c'est parti hein. On va aller réparer tout ça. Donc peut-être fin du let's play aujourd'hui, peut-être fin du let's play dans deux jours. Voilà. Mais demain, enfin dans deux jours c'est terminé. Voilà, je peux vous le dire, hein. Là on est vraiment. Dit que la ville rouvrira le centre si les tuyaux sont réparés. Je vais voir si je peux y arriver. Ça mène à un égout, bouché par... Oh, des ordures. C'est pas étonnant que la canalisation ait pété. J'ai fait le ménage. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'eau qui coule. Ah, je sais quoi faire. Faut que tu trouves la station de pompage. Comment tu sais ça? J'ai participé au nettoyage des rivières en primaire. Alors elles sont super propres maintenant? Plus propres, en tout cas. Ne te baigne jamais dans le Tsun. Effectivement, j'aime se baigner dans la Seine, c'est dégueulasse. T'as un écosystème dedans que personne ne connaît, c'est un peu... J'y suis presque. Ganki, je confirme que c'est les types que j'ai affrontés à la centrale électrique. La banque et la centrale électrique, je peux comprendre. Mais pourquoi s'en prendre au Fist? On va le découvrir. Calmez-vous, hein. Oh! First dead. Tu crois qu'il va reprendre son business de protection? Quand il aura pris ses marques sur moi, c'est quoi ce bruit? Attendez! Celui-là était Mikao! Je l'ai touché! Oh, tu n'as touché personne, frère. Calme-toi. Voilà. Tu dois allumer. Hé, le nettoyeur de rivière. La pression de la pompe est dans le rouge. Ils ont dû toucher aux valves. Tu vas devoir les régler une à une avant de pouvoir allumer la pompe. Tu les as entendus? Leur chef veut s'emparer de Harlem avec sa bande. Drogue, extorsion. Ah, je me demande pourquoi les gens peuvent pas se contenter de venir pour les restos et les musées. Rien à voir avec Spider-Man, mais t'as commencé, Jenner, pour le cours de Madame Mallet? J'ai fait absolument aucun devoir depuis la fin du cours. C'est ouf. Je
Bouge pas. Derrière, des ordures. Cool. Hop. Une de moins, encore deux balles. Alors voilà, on parlait des trucs à lire pendant les vacances. C'est ouf, je viens de finir la scène du mariage. Ah, j'arrive plus à poser le bouquin. Attends, t'es en train de lire là? Je croyais que tu me filais un... Minute, je reviens. Ah, ah. Vraiment partout. Et hop. Salut les gars. On va dire qu'il y a votre chaîne. Non. Bon bah tant pis alors. Biberman, laisse-moi te faire la fête. C'est une intervention privée. Allez, dégage. Non, pas fini de jouer. Vous avez laissé Arlène tranquille ? Vous aurez laissé tranquille, peut-être. Vous avez le droit de vous enfuir. Voilà. Maintenant la vague de pression. Un peu facile. Pas besoin de battre à la touche en fait. J'aime bien m'amuser sur ce jeu. Encore une balle et je pourrais rétablir. Allô, désolé. Lecture de vacances, vas-y. Ouais, tout à fait, je suis là. Non, je t'écoute. Je finis juste ce chapitre. Donne-moi 5 minutes. Sérieux ? Celle-là a une jauge de pression. Ça doit vouloir dire qu'elle est vieille. Mmh. Oh merde. Je dois la couvrir de toile. La pression doit être pile au milieu. Sinon, les tuyaux casseront à nouveau. Ça devrait être bon. Il faut que je relance l'eau à la station de pompage. Hey Ganky, tu peux appeler la mairie ? Ils envoient quelqu'un au Christ Nord pour déclarer sa défermeture. Pas de problème. J'adore me faire passer pour un adulte et passer des coups de fil officiels. Le retour des affreux. Il faut que je m'en débarrasse. Dites-moi pour qui vous travaillez. Je fais quoi encore? Descendez, Spikrop. Alors dites-moi au moins où il se cache, que j'aille le voir en personne. Ah, si tu veux t'introduire dans le raf pour l'affronter, bonne chance, gamin. Il est à moi. Wow, je l'avais même pas vu. Lui. Tac. Tac. Je l'ai touché. Non mais j'ai pas l'air d'âge du nom. Une dernière fois. Dale, rata. Ouais, Ganky, t'as entendu ça? Leur chef se trouve au raft. Oh, wow. Côté positif, on peut peut-être l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Je vais regarder ça. Mais il pleut dehors. Il faut réactiver l'eau. Non ? Et là, l'eau se met à couler. Super timing. L'inspecteur de la ville vient d'arriver au piste. Il devrait pouvoir rouvrir bientôt. Top. Je vais y aller directement, histoire de m'assurer que Gloria a tout ce qu'il lui faut. Tu te demandais pourquoi leur patron avait monté toute cette opération pour fermer le piste. Raison numéro 1, leur terrain vaut de l'or. Et raison numéro 2, la présence d'Arfuge à Harlem fait considérablement baisser le crime. Et comme il veut être un baron du crime, plus il y a de criminalité, mieux c'est. Exactement. Mais on l'a arrêté parce qu'on est trop fort.
vous êtes. Souriez. Spider-Man, le nouveau. Hey, salut. Oh, salut. C'est toujours un plaisir de rencontrer un Spider-Man. Oh, oui. Écoutez, je réparais le système de distribution d'eau et j'ai vu que votre refuge était touché. Ça devrait être bon maintenant. C'était toi ? L'inspecteur vient de passer, il autorise la réouverture. Tout le monde peut rentrer. Oh, Spider-Man, vous tombez vraiment bien. Je sais pas combien de temps on aurait tenu comme ça. Merci. Voilà. Très peu de temps. Salut Gloria, c'est Miles. On m'a dit que le Fist Nord devait rouvrir. On a eu un petit coup de main de Spider-Man. T'y crois, toi ? Merci encore d'être passé. Les gens dans le parc disent que tu les as bien aidés. Y a pas de quoi. Allez, profite de tes vacances. On se retrouvera à la rentrée. Ok. Salut. Hey, j'ai parlé avec une crafteuse du quartier qui s'appelle Hayley. Elle a une piste sur l'endroit où opèrent les types qui ont l'intention de racheter Harlem. C'est génial. Je peux la trouver où? Elle aide à préparer le défilé des rois mages. Mais je t'enverrai un message sur l'appli dès qu'elle sera dispo. Oh oui, tu l'as déjà vu avant le meeting, tu te souviens? Une graffeuse qui utilise la langue des signes. Ah ouais. Ah ouais, elle est top. J'attendrai que tu publies ça sur l'appli. Super, à plus. La rente la run. Salut petit, retrouve-moi sur les quais à Hell's Kitchen. Ça marche. Qu'est-ce que je fais pour Finn? Je réessaie de lui parler? On pourrait se retrouver quelque part. Au Forum des Sciences ou à Trinity Church. Non, elle sait que je lui ai menti. Elle voudra pas me voir. Mais bon. C'est dommage, hein, en vrai, de ça se termine comme ça. Et la fin est incroyable. Vraiment. La fin du jeu est oufissime. Mais même Spider-Man, hein, franchement. Très envie de vous le faire. Comme si New York n'était pas assez agité pour c'est toujours une crainte que j'ai. Une tempête tropicale slash ouragan qui remonte la côte. Comme dans ce film où le bateau se retourne sur une vague géante à la fin, celui avec. Spoiler alert. Bref, si la tempête s'abat sur nous, beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide. C'est le moment de faire un don à votre refuge de quartier. Et en attendant la prochaine fois, vérifiez votre note de crédit une fois par an. Vous avez droit à un rapport annuel gratuit. Soyez responsables. A plus. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Ceci était un message du ministère de la Santé. Ça va, hein. Franchement, je trouve que je m'en sors bien sur ce jeu. Mais bon, après, normal, après avoir entre 30 et 35 heures de jeu dessus, fois 2, enfin fois 1,5. Très loin des quais. J'espère que la run est là. L'underground, ça fait un peu beaucoup. T'as 17 ans, t'es stressé et t'es un super héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du son? Pas trop depuis que j'ai commencé tout ça. Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens, c'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillé. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais, ok. Je dois faire quoi? Charger ça.
Je vais te guider. J'ai placé des hologrammes pour te guider. Analyse la source. Des hologrammes. Tu piques mes méthodes. Allez, pense pas à Finn. Concentre-toi sur les sons. Rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera à trouver les sons que tu cherches. Maintenant, essaie de retrouver le son de départ. Et sample-le. Mais c'est pas ça. Continue. Tu dois t'approcher un peu plus pour ajuster les niveaux. Je suis allé trop loin, je crois. Je peux pas partir, je cherche encore. C'est ça. C'est énorme. Pas maintenant. Alors, t'as bien aimé? Ouais, il y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Et le téléphone avec quelqu'un d'important. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir. Essayer de la convaincre d'arrêter. En personne? Où ça? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais... T'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi, exactement? C'était... compliqué. On était très proches, mais... très différents. Fini la mixtape, récupère les samples, et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche, merci. Church. N'oublie pas, Tinkerer est à toi, mais tu touches pas au gamin. Donc il a Rolson. Enfin, Kruger. Téléphone, je pense. Waouh, j'en avais besoin. J'étais crevé. Ok, j'appelle Finn. Dès que je suis prêt à décoller. Ah là là. Maman? Ganky? Y'a quelqu'un? Bon, je suis tout seul. En 4 secondes. Niveau 13. Les autres sons que tu cherches sont disséminés à travers la ville. Ah, j'ai de Noël, tenu. Ah ouais? Oh, elle est belle celle-là. Ça, c'est l'original, mais elle, elle est plus jolie, je trouve. C'est la même. Avec un petit truc en plus. Qu'est-ce qui se passe, le chat là? Ma compétence.
Putain, c'est quoi? C'est ça que je veux, moi, non? Non. Ouais, non. Non. Bah, on va continuer là, hein. Salut, il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu me mentes encore? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît. Rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges. Je te promets. Si tu te fous encore de moi. D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir. C'est déjà ça. Ok, Trinity Church. C'est parti. Oh, c'est loin. Combien de temps de vidéo sommes-nous? J'ai perdu mon chrono. Non, pas les appels d'urgence. J'ai pas d'urgence. 36 minutes, on a le temps encore. Salut les amis! Aujourd'hui dans le DaniCast, je débat avec... C'est ça votre intro? Ah, c'est nul! Dans le milieu, on appelle ça noyer le poisson. Mettez-y un peu de cœur, bon sang. Laissez-moi vous demander, Dani. Ça vous arrive jamais de penser à l'image que vous véhiculez, à votre intégrité journalistique? Plus que certain. Parce que, pour un vrai journaliste, moi, votre campagne contre Roxxon est atterrante. Atterrante. Ah, oh bah tu m'étonnes. Vous devriez vous en prendre aux jeunes justiciers inexpérimentés qui causent tous ces problèmes à Harlem. Quoi? Vous transformez tout ce que fait Spider-Man en axe de malveillance et à côté de ça, vous excusez tous les crimes de Roxxon. Ce qui manque à Spider-Man pour avoir votre soutien, c'est une meilleure équipe de com. Je lis. Les seuls problèmes que Spider-Man résout, c'est ceux qu'il crée lui-même. Je ne vais pas féliciter un pyromane qui est à son propre feu. Ah. Roxxon, par contre, a construit une belle place dans un quartier qui tombait en décrépitude. Parce qu'ils ont rasé ses immeubles et détruit ses commerces. Notre nouveau Spider-Man prouve sans cesse qu'Harlem n'est pas le fiasco que Roxxon veut nous faire croire. Quant à vous, Monsieur Jameson, pour quelqu'un qui dit aimer New York, vous semblez pas beaucoup aimer les New Yorkais. Vous êtes complètement hystérique. Alors je vais être grand prince et mettre fin à ce... Jared, coupez tout! Qui a eu l'idée de débattre avec une adolescente? Y'a aucun mérite à détruire une enfant! À voiture! J'ai besoin de massage suédois! Allô? Allô? Merci pour ce débat que vous avez proposé, Monsieur Jackson. Et vous, les amis, pensez à vous lever toutes les demi-heures si vous bossez sur ordi. A plus! C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est des colis envoyés. Peut-être ça après cet épisode ou l'épisode d'après. Bon, ça montre bien à quel point Johnson est vraiment complètement déconnecté du réel. Hein. Ça se voit. Voilà. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir. Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxon doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ?
que mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens? J'ai adoré le Ghana. Y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Petit problème. Fait un peu mal. J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi, j'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais, quand son frère et moi mettions au point l'uniforme... Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce. Changeons de sujet, d'accord? Alors, pour commencer... Je vais... Waouh! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la tête. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans tenir. Wow. Tu vas bien? Un nouveau pouvoir s'élève. Alors, je sais pas si c'est ça la phrase Elzalt, mais Merde alors. Gloria, c'est pas vrai. Léger. Faut qu'on trouve une issue. Oh, ça va être beaucoup de fight encore. On va continuer encore un peu. On a gardé Rino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue. Rien ne me surprend plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira. Quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? Oui. T'as trouvé quelque chose? Non. La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire.
C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Salut, toi. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. Yeah. Tout marche, tout fonctionne, c'est bien, le jeu se passe bien. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Okay. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont HS dans l'aile sud. C'est Rhino qui a dû les désactiver. Pareil qu'il veut interroger les prisonniers. Pareil que le nouveau là, il pourrait même faire parler Spider-Man. Quand la plaza sera finie, il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir? Ils ont retrouvé leur trace? Non, il est trop bête. L'agent extérieur nous a donné leur position. Protégez bien ce secteur. Conseil d'amis, gaffe à ce que tu dis, ton leader. Il a l'air cool, mais il part au garde-tout. J'ai remarqué. Je l'ai vu pousser à bout trois assistants, moi. Mais le jeu est facile. On n'a pas l'intérêt d'enfermer Spider-Man et Tinkerer. On devrait les liquider. Je fais une ronde. Bien reçu. Je suis en route. T'as été en poste à la Plaza? J'ai des heures sup pour aller la semaine prochaine. Ouais, c'est ma prochaine rotation. Comme si l'avenir entier de l'entreprise dépendait de ce projet. Je pense qu'on craint rien. Attendez, je crois que j'ai entendu du bruit. J'attends, la voie est libre. J'ai entendu du bruit. Allez-y. Je lance un décryptage. Oh, bon. On a c'est l'un des nôtres. Ok, pari pour le prochain ordinateur. Finn, faut qu'on parle. Faire sauter la plaza, c'est pas une bonne idée. Empoisonner la ville avec un carburant dangereux non plus. Ouais, mais il doit y avoir un meilleur moyen de combattre Roxxon. Parfois, les stratégies ont des points faibles. Comme décider de mentir à ses amis. Sortons déjà d'ici. Ok. Bah, on a une vraie discussion. Splinter Cell, hein. Franchement, sympa. Ça va laisser une trace. Ok. Je vais court-circuiter le verrou magnétique. Toi, active la commande là-bas. Ça marche. Un peu facile. On dirait une collection d'archives. Je me demande ce qu'il y a sur ces ordis. On dirait les ordis d'Osborne. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on répond? Ah, j'aime bien. Comment ils ont pu leur faire gober ça? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. C'est parti, tant que je n'aurai pas mon uniforme. Il devrait même pas être là. Ton Gorin devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça, ça fait... tellement paternel. Relâche Spider-Man. Et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Enfin. My... Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. L'uniforme qui rend les gens malades.
arrivé à Rick Mason. Si la presse l'a... Mais tu ne diras... Traîtrise. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même cellule. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi, tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye. Trahison. Disgrâce. Again. Claire. Non. Attends. Je connais Steve. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais... J'aurais pas cru... qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter? Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est quoi? Arrête. Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Voilà, t'as l'électricité. Bon accès. Ah, je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines, comme cette grue. Ça nous sera peut-être utile. Je vais regarder le reste. C'est ici qu'ils construisent des moteurs pour leur blinder. Faire descendre et monter cette grue, ça t'aide? Ouais. La grue est au-dessus de cette espèce de moteur maintenant. Cette espèce de moteur, j'ai une idée. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage? Ouais, je crois que je vois ce que t'as en tête. Tac. Ok, ce laser devrait activer le moteur. Ah merde, le laser a lâché. Je dois pouvoir rediriger le courant. Super. Mes toiles conduisent bien l'électricité. C'est bon. Lance le laser. Et un laser. Ouais. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. À notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne? Y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man? Tu sais, quand... quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, je... Ouvrez-moi cette porte! Elle va finir par lâcher! Vas-y! Je m'en sortirai, sauve-toi! Avec des lumières sur leurs casques ou des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour me compliquer la vie. Ça sert à rien de se mettre invisible. Des millions de dollars défiscalisés.
Va faire le ménage. Je désactive la sécurité et qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines si tu veux que je déplace quelque chose. Et puis nous, on va s'arrêter là parce qu'on est à 55 minutes et j'ai pas envie qu'il y ait un autre truc qui se lance entre temps. Donc on s'arrête là pour cet épisode 5. Je vous retrouve dans 2 jours pour le potentiel dernier épisode. Je lui reste tous les coups, je vais dire ça encore une fois après, donc on verra. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve dans 2 jours. Bye bye tout le monde.